petite est enceinte de toi, ma petite soeur est enceinte de toi. Jamais de la vie, ma petite soeur. Attends, non. Tu te passes, madame, ou quoi? Je dois sourire. Attends, ça veut dire comment, gros? Ma petite soeur, tu me demandes. Toi. Salut, frère. Je ne t'ai pas coupé quelque chose. Non, il n'y a rien, gros, il n'y a rien. Ça va? Ouais, ça va. Très bien. Ouais, très bien. Je me place là-haut au milieu parce que, de toute façon, vous amouragez là. Je suis un peu jaloux. Je t'appelle comment? Nadia. Nadia. Mmh. Et Dominique. Dominique. Ouais. Tu as le sourire aux lèvres, hein, gars. Ouais. Pourquoi tu mets ici? Tu étais grand si joyeux comme ça. Ah, quand il y a un tombé, tu as vu ma bibi normal. L'homme, il suit l'amour est bien. Ouais. Ça se passe bien? Ouais, très, très bien même. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Trois ans. Ça se passe bien, non? Très, très bien, moi. Tu confirmes, ça fait 3 ans? Ouais, ça fait 3 ans. TV. Voilà. Merci. Comment vous avez rencontré? Genre, c'était à une sortie avec des copines, quoi. Genre, nous étions, je crois que c'était à Santa Lucia, oui. Je l'ai vu là-bas et puis, bon, il s'est approché de moi, il m'a... Bon, il venait quand même blaguer, quoi. Il venait blaguer? Oui, il ressemblait à un gros blagueur, quand tu vois, tu sais. Tu pensais qu'il était un gros bacalé venu? Non, moi, en tout cas, j'ai vu qu'il était blagueur, mais je disais que d'accord, on n'a qu'à blaguer. Ah, toi, tu dis ouais, qu'on n'a qu'à blaguer. Après, mais dans l'histoire de blague, là, l'amour est tombé. T'es juste sur ce calé. Nadia. Ouais, c'est bon. Quand tu parles, tu souris, elle a dit que le gars s'était aimé bien. Mais normalement, non. Si je ne me mettais pas bien, il fait quoi là-bas depuis 3 ans? Vrai. Ouais, je suis à l'aise, épanouie. Avant, même le jour qu'on s'est rencontré, tu vois, j'avais vraiment flashé sur elle. Et du coup, après certains moments, quand on commençait à causer ensemble, j'ai vraiment vu que c'est une fille très formidable, une fille qu'on peut bâtir un avenir. Écoute, tu suis là. Oui. Depuis que tu l'as connue, est-ce que beaucoup de choses ont eu à changer dans ta vie? Ouais, tellement de choses. Beaucoup. Tellement de choses. Je suis plus fuck boy. Tu es plus fuck boy? Je suis plus fuck boy, grâce à elle. Est-ce que tu savais qu'il était comme ça? Au début, bon, je m'en doutais bien. C'est vrai, genre, quand tu dis aussi que non, tu essayes. Tu ne veux pas trop bloquer. En plus, genre, il me plaisait aussi. J'ai dit que. Mais au début, tu ne mettais pas le cœur. Je ne mettais pas trop le cœur, mais sinon, j'étais quand même attirée. À partir de combien de temps tu as commencé à ressentir le truc pour lui? Je ne sais pas. Je me suis juste retrouvée là comme ça, que j'étais déjà amoureuse. Pas duré. Moi, c'est 3 jours. 3 jours, c'est 2 jours. Et tiens. C'est 2 ou 3 jours. Là, 2 jours. Qui a mis qui dans la bouteille? Un gros deux. Qui a mis qui dans la bouteille? Peut-être c'est lui. Parce que si vraiment, parce que je suis dans la bouteille, donc je ne vois rien. Tout ce que je vois chez lui, c'est que c'est bien. Est-ce que la famille, vous connaissez d'ailleurs les parents d'autres? Ouais, je connais, genre, mais la mère, hein, parce que le père, aborder le père, c'est pas vraiment trop ça. Pourquoi c'est toujours compliqué avec le père? Le chien méchant, non. Ça veut dire que c'est sérieux? Ouais, il est très sérieux même. Tu as encore fait quoi? Tu supprimes les choses dans le téléphone? Non. Ok. Vous savez pourquoi celui-là, non? Non, pas vraiment. Tu sais pas? Non. Tu connais pas pourquoi celui-là? Non, je connais pas. De toute façon, tu souviens comme tu connais. Je connais pas. C'est un test de fidélité. Est-ce que tu es fidèle avec ta gueule? Ouais. Pourquoi tu hésites avant de répondre? Est-ce que tu es fidèle? Ouais. Depuis les 3 ans? Ouais, depuis 3 ans. Tu n'as plus jamais formé avec depuis 3 ans? Tu n'as plus embrassé notre go? Non. Ça n'a même plus pour le limo du nom. Rien. Allez là, puis témoigne. Je témoigne. En tout cas, j'ai jamais vu quelque chose de vraiment bizarre dans son téléphone. Non, pas, j'ai pas vu. Et toi? Moi, ouais, clair, comme l'eau de roche. Ça veut dire que tu peux juste le confirmer verbalement. Non, mais voilà, tu peux lui demander, non. Tu n'as plus formé avec un autre gars depuis 3 ans? Non. Jamais. Jamais. Même au noir, rendez-vous d'un gars? Non. Même donner ton numéro à un autre gars? Bon, pas quand même jusque-là. Pas quand même donner mon numéro. Oui, je cause, mais au moins là, je dis que je suis en couple. Okay. Est-ce que tu lui fais confiance? Oui, ouais, totalement confiance. 300%. 300%? 300%. On fait ce genre de confiance aux garçons qui sont laids. Lui, il n'est pas laid. Si tu fais confiance à ton gars à 300, ça veut dire qu'il est laid. Ouais. Et quand tu as confiance que nous, une autre fille ne peut pas l'arracher. Parce que nous, tu l'as arraché, qu'elle est un peu là, une autre fille peut s'arracher. Donc tu fais confiance. Dans tous les cas, d'accord. Chacun laisse ses marques dans sa relation. Ok, je suis là pour fouiller dans vos deux téléphones. Est-ce que toi, tu es d'accord de dévoiler ton téléphone, ta voix et mon fouet? Après, on va aussi prendre sa part. C'est obligé, bon. C'est pas obligé, mais est-ce que tu es d'accord? Tu as dit que tu es fidèle, non? C'est pas obligé, mais c'est une question. Pour voir, pour tester à quel point est-ce que tu peux être vis-à-vis de ta copine.
Pas vraiment, mais comment ça va être? Aïe, c'est bien compliqué. Pourquoi tu veux qu'on commence avec? Pourquoi tu as peur? Pas que j'ai peur. C'est quoi le problème? J'aime pas qu'on... Quand il faut dans ton téléphone. Ouais, j'aime pas. Mais si tu ne te reposes de rien, donne... Mais c'est elle qui est là, c'est la petite amie. Ok, dans le moment, je vais fouiller. C'est pas ta petite amie, c'est Gana Ami. Est-ce que tu es d'accord? Pas vraiment. Pourquoi? Comment ça va avec elle? On va passer aussi avec. On va aussi faire ça pas. Comment t'as beau? Parce que tu sais. Moi, je deviens bizarre. Tu es un homme, non? Pas que je deviens bizarre. C'est quoi le problème? C'est quoi le souci? Rien. Toi, tu es d'accord qu'on fouille dans ton téléphone? Moi, je suis d'accord. Pourquoi là, tout de suite, tu veux pas qu'on fouille dans ton téléphone? Parce que je veux pas. Ça veut dire quoi? Baby, il veut pas. Baby, tu ne veux pas pourquoi? Pourquoi? Il y a une raison, non, beau? Donc, justement, comment tu dis que tu veux pas qu'on fouille dans ton téléphone? Ok, de moment, je vais l'offrir. J'arrive à pas toucher. Ah, bon, pourquoi tu es venu avec cette déjà d'idée? Non, quand j'ai dit de comment, toi, tu sais, je t'ai dit que c'est là pour un test de fidélité. Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Est-ce que tu fais confiance à ton compte? Je ne m'attendais pas à ça, te jure, ne m'attendais pas à ça. Bon, c'est là. Est-ce que tu as l'écouté à cacher dans ton téléphone? J'essaie de trouver un truc bizarre, je vais voir le don faire comment. Mais tu vois, c'est pour gâter la réaction des autres. Mais s'il y a donc un truc bizarre, dis qu'il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre. Pas tellement en fait. Pas tellement. Et ça veut dire pas tellement. Donc il y en a quelques. Il y en a quand même. Un peu, mais. Je ne vais pas le dévoiler. Pas dans les réseaux sociaux. Et toi? Je donne mon téléphone. Ouais. Donne un fouet. Oui. Ah, sauf que si on fouille ta part, on doit fouiller ta part. Donne aussi ton téléphone. Il doit avoir les deux téléphones en main. Peu importe le truc bizarre qui se trouve dans ton téléphone, on va fouiller, gars. Gars, donne aussi. Voilà, dévoile d'abord, dévoile avant de me donner. Regardez ça. Dévoile. Voilà. Dis, chaud. Voilà. On commence avec toi, parce que lui, de toute façon, il est dur là. Tu l'as réussi comment avec ton téléphone? Doudou. Doudou. Mmh. Vous commencez sur beaucoup plus WhatsApp, non? Ouais. D'accord. Doudou. C'est qui Michael? En tout cas, c'est Michael. Oui. C'est un ami. Un ami comment? Un ami comment? Genre, un bon ami, quoi. Bon ami comment? Comment je vais te dire quoi? Bon, on parle de tout. C'est un ami à qui je me confie. Il le connaît. Tu connais Michael? Non, pas vraiment. Tu connais pas Michael comment? Michael, c'est qui? Tu connais pas Michael? C'est qui? C'est un ami, non? J'ai eu te parler de voilà, lui. Voilà, ça y est, aujourd'hui, il te dit, bébé, t'es vu au campus, tu étais allé au Zoukoumiel. Waouh, c'est beau! Attends, bébé, t'es vu au campus, tu es allé au Zoukoumiel. Mais moi-même, j'appelle comme ça. J'appelle tu dis, oh merci mon cœur. Tu vois, il n'y a pas de problème, c'est juste comme ça que j'appelle. Il n'y a pas de problème. Mais j'appelle juste comme ça, ça ne veut pas dire pourtant que peut-être je l'aime ou quoi que ce soit. Là, bon, continue, s'il te plaît. Ok, attends, moi, remonte-moi plus haut. Il te dit, voilà, attends. Coucou ma puce, est-ce que tu peux passer à la maison? Tu dis pourquoi? Il dit pour faire quelque chose à manger. Tu dis je suis ta femme. Tu dis oh, je suis sérieux. Tu dis vers quelle heure? Il te dit même 16h. Tu dis 16h pour rentrer à quelle heure? Tu dis que il dit t'inquiète pas de l'heure. Dès que tu finis, tu pars. Tu dis ok, dès que me libère, te fais signe. Pourquoi tu dois aller cuisiner chez ton copain? C'est ton ami. Mais tu n'as pas vu, il a dit, j'ai dit, je suis pas ta femme. Il n'a pas répondu. Ça veut dire que je ne suis pas sa copine. Il sait au moins que je suis en couple, non? Bon, mais pourquoi lui te demande de venir pour moi? Parce que j'ai grand cœur. C'est beau, hein? Ça veut dire que tu peux aussi venir préparer pour moi? Ouais, s'il est d'accord. Non, pas que s'il est d'accord, parce que là, tu as demandé à regarde, ton copain. Mais regarde, Jeannot, lui, c'est un ami de longue date. On se connaît depuis. Ça vient de là, oui. On se connaît depuis. Bon, c'est vrai, il a eu peut-être un peu dragué, mais nous ne sommes pas en couple. Je veux d'abord lire, continuer à lire. Mais le fait que vous appelez bébé et tout... C'est l'habitude. Tu dis, vous n'êtes pas en couple. Nous ne sommes pas en couple. Vous n'êtes pas en couple. Ouais. Là, regarde. Tu dis, coucou, tu as oublié ton sous-vêtement. Waouh! Oh! Attends, mais j'ai oublié. Voilà ça, non? Attends. Tu dis coucou, tu as oublié ton sous-vêtement. Tu dis prochainement, ça ne dérange pas. Attends. Oh, bébé, je t'assure. Bon, j'ai fini de cuisiner, non? Après. Normalement, j'étais sale. Je me suis lavée. Je ne pouvais pas rentrer avec le sous-vêtement mouillé.
Désolé. Attends. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il lise juste à lui, il te demande pas les sous-vêtements et tout ça? J'ai laissé ça là-bas, non. Pourquoi tu as laissé? Tu faisais quoi d'abord? Je cuisinais, je n'ai pas fait la cuisine. Tu cuisines nu? Non, j'ai fini, non, j'ai fini de cuisiner. Oui. Hein? Et puis, je me suis sentie sale, je suis allée me laver. Et tu as laissé ton sous-vêtement à la maison, chez lui? Mais, oh bébé, j'allais toujours partir prendre, non. Pour continuer le message. Ok. Et tu dis, j'espère qu'aucune de tes bordelles va toucher à mon caleçon. Il te dit, tu sais qu'il n'y a que toi qui viens ici, là. Il n'y a plus d'autres filles. Tu dis que j'espère bien pour toi. Attends. C'est la même personne. Tu parles de qui? Depuis là, on parle de qui? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Bon, invente les messages. C'est pas devant toi. C'est pas vrai, oh. C'est pas vrai. Je fais pas les choses comme ça. Quand je vois les messages, juste la vérité. Baby, c'est écrit quand? Je peux pas faire ça, oh. C'est pas. Ok. Non, dis la vérité, oh. Je sais pas comment ça arrive là, il te ment pas. Tu sais pas comment ça arrive là? Tu me fatigues. Oh. Fatigue. Je vais taper bébé voir. Bébé, il y a toi, il y a Doudou, il y a toujours lui, il y a toujours Michael, il y a Jojo. Mm-hmm. Voyou là. Il y a Jojo, il y a Christian, il y a Nema, c'est tout Nema. Le capitaine d'équipe de notre amphi. Capitaine d'équipe de votre amphi? Ouais. Et pourquoi t'envoies, vous écrivez les bébés? Parce que vous avez presque 18 conversations ensemble. Seulement. Plus de 18. Seulement. Et les cœurs s'envoient des autres. Aïe. Néma. Mais il y a une copine dont j'ai. Attends. Je ne trouve aucun mal. Sa copine ne trouve aucun mal à ce qu'on s'écrive comme ça. C'est quoi le problème? Attends. Gabo, regarde. Attends, ça veut tu es amoureuse du gars, tu veux voir que c'est vrai. Dis juste la vérité, non. Dis juste la vérité. Parce que ça se voit que tu envoies les bébés à presque tous les mecs de ton répertoire et ce n'est pas normal. Mais je suis habituée, c'est comme ça. Écris, non. Dis-moi, bon. Où est la différence entre ton propre gars? Voilà ton propre Doudou, tu l'envoies bébé, tous les autres, là, tu les appelles aussi les bébés. Je l'appelle bébé, pas bébé. Mais j'ai tellement écrit bébé, les noms apparaissent. L'erreur. Après Michael, il y a Nema, il y a Jojo. Pour moi, tu as oublié d'avoir ton sous-vêtement là-bas. Tu demandes à ce qu'aucune de ces bordelles vienne toucher. Je pensais pas mal faire. Je ne sais pas. Je ne trouve pas le problème. Moi, je sais que. Tu ne trouves pas le problème sans ton sous-vêtement chez c'est qui Michael. Ouais. Mais tu cries sur moi. Je ne crie pas, je te dis. Du moins, je te dis la vérité. Nous sommes là. Oui. Désolé, pourquoi? Parce que tu as laissé ton sous-vêtement chez lui. Je faisais rien de mal. Tu faisais rien de mal. On trouve ton sous-vêtement chez lui. Jusqu'à te dire que tu as oublié ton sous-vêtement. J'espère que tu vas venir le prendre. Et tu lui réponds que machin truc n'est que tes bordels. Qu'est-ce qui s'est passé entre moi et quel est toi? Dis juste la vérité. Non, dis la vérité. On quitte là-dessus. Parce que plus je continue à aller, plus je continue à dévoiler les trucs. Ouais, il n'y a rien entre Michael et moi. On continue. Ok. Tu me manques, on va voir, tu me manques. Oh, bon, bon, bon. Tu me manques. Tu me manques pas grand chose à toi. Tu es ma doudou, toi. Alors que je suis déjà là. Je suis déjà là. Et à toi. Et à Michael. Michael encore. Michael. Et tu trouves ça normal? Bébé, je suis déjà là. Viens me chercher, s'il te plaît. Tu peux pas encore faire quoi chez lui? Okay. On partait juste se balader. Balader comment? Je m'ennuyais, je t'ai dit que je voulais sortir, tu as refusé. C'était quand? Samedi. Samedi passé, samedi avant-hier. Ce samedi. Samedi. Oui. Mais bébé, je t'ai dit que je voulais sortir. Tu as dit quoi? J'étais fatigué. Tu as dit que tu étais fatigué? Ouais.
Et puisque ton ma présence à la maison ne te suffit pas, pourquoi sortir donc? On ne sort presque pas. Bébé, quand tu veux, pas comme moi je veux. Donc si lui ne veut pas sortir, que toi tu veux sortir, peu importe la personne qui est devant toi, toi tu sors. Non. Et pourquoi c'est toujours Michael qui c'est vient pas à l'hôtel? Je sais que c'est un bon ami, non? Bon ami? Oui. Je cause même avec sa copine. Tiens. Voilà. Bon, calme-toi, bon. Ne bring pas ça. Je savais que ça allait arriver avant. Oui. Non, il ne suis pas avec toi. Toi, tu l'as laissé comment? Bébé. Oui. Pourquoi tu veux prendre le téléphone? Je ne veux pas que ça arrive à un niveau. À quel niveau? Elle ne va pas supporter ou bien je ne vais plus supporter en fait. Pourquoi elle ne va pas devoir supporter? Parce que je ne veux pas qu'elle voit les mauvais trucs. Comme quoi? Chose immorale. Mais dis-nous. Chose pas bien. Comme quoi? Comme quoi? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Ton téléphone, c'est pas comme le fantôme. Tu comprends, non? Tu comprends? Non, moi, je ne comprends pas. Bon. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu me dis avant que moi, il faut que ça vienne de toi. Il faut que ça vienne de toi. Parce que ce n'est pas moi si on découvre ici dans le téléphone. Tu se comprends? Non, si on se comprenait, c'est que je prenais encore ton téléphone, vous comprenez. S'il y a un truc qui ne va pas, tape ses cas. Fouille. Alors? T'as dit bébé? Ouais. Ok. Il y a deux bébés. Il y a bébé avec le cœur et bébé avec une bague. C'est quel bébé? C'est avec la bague. C'est avec la bague. Ouais. Et l'autre bébé qui a le cœur? C'est qui? C'est une soeur à moi. Une soeur à toi? Ouais. Avec la bague. Ah ah. Avec le cœur. Ça te dérange si. Comment ça va avec ces conversations avant de. Non, c'est déjà ta gueule. Moi, je sais que c'est elle. Non. J'ai encore besoin de lire vos conversations. Quand ça va? Voilà. Une soeur à toi. C'est avant que moi, je veux lire. Les nudes de partout. Ouais, d'abord. Pas assez nu. Attends. Pourquoi vous envoyez les photos comme les nudes? C'est ma soeur, non? Ah! C'est ma soeur. Tu envoies les nudes à ta soeur? Ouais. T'as foutu d'envoyer les nudes avec ta soeur, gros? C'est ma soeur. Tu peux dire ma cousine. Ah! Ma cousine. Ça ne m'étonne même pas à revenir avec toi, père. Viens, bon, viens un peu, s'il te plaît. Ouais. Tu dis, B, est-ce qu'il peut te dire quelque chose? Tu dis, vas-y, mon cœur. Tu dis, ce de quoi on parlait, c'est confirmé ce matin. On parle de quoi? Ce de quoi on parlait, ça a été confirmé ce matin. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant, comment? Rien d'intéressant. Attends, il veut voir donc plus haut, bro. Attends, il veut voir plus haut. Ah. Attends, voilà, il sait quoi dit. Coucou B, tu dis oui. Ouais. Il te dit, la dernière fois qu'on a fait, est-ce que tu t'es protégé? Tu dis non, pourquoi? Il te dit que parce que là, j'ai un retard. Retard de... Tu dis que ça veut dire quoi? Il dit que ça veut dire quoi? Comment tu t'es pas protégé la dernière fois? J'ai un retard. Après, tu dis qu'on va faire comment? Retard est quoi, bon? C'est l'enceinte, gars. Ce n'est pas ma cousine, c'est une amie à moi. Une amie à toi. Ouais. Enceinte de qui? De moi. De toi? Ouais. Attends. Une amie à toi? Ouais. Enceinte de toi? Ouais. Comment? Comment ça se passe, non? Attends. Pourquoi? Attends. Pourquoi les deux gosses, pourquoi celle-ci et l'autre se ressemblent? Regarde la porte de profil. Attends d'abord, attends. Bon, attends. Montre bien. Attends. Pourquoi les deux se ressemblent? Tu la connais? Hein? C'est sa soeur. Sa soeur comment? C'est ma petite soeur. Attends, ma petite soeur. Attends, je t'explique. Elle est enceinte. Attends, bébé, attends, je t'explique. Attends, je l'explique. Attends. Tu vas dire quoi? Ma petite soeur. Ma petite soeur enceinte de toi. Ma petite soeur. Ma petite soeur enceinte de toi. Ma petite soeur est enceinte de. Attends, attends, quoi? Ma petite soeur est enceinte de toi. Jamais de la vie. Ma petite soeur. Attends, non. Ça fait comment? Ma petite soeur enceinte de toi. Tu te passes, madame, ou quoi? Je dois sourire. Attends, ça veut dire comment, beau? Ma petite soeur enceinte de toi. Tu me demandes. Bon, parle même, non. Ça veut dire ça. Il va taper, Oh, oui. Regarde. Oh, tu es un bon. Ne pas me fâcher avec toi. Oh.
Attends, calme-toi. Comment tu t'expliques, non? Attends, il va m'expliquer comment ma petite soeur est enceinte. Sa petite soeur comment? Ah bon? Tape-moi. Oh, attends. Oh. Ma petite... Bon, comment sa petite soeur? Petite soeur, non? Enceinte comment? Tu sortes avec ta petite soeur. Tu sortais. Ouais. Tu m'as donné l'enfant, non? Tu sors avec sa petite soeur ou tu sortais avec sa petite soeur? On essayait de faire l'enfant, ça ne pouvait pas se passer. Donc j'ai une fois d'arrêter sa petite soeur parce que sa petite soeur kiffait sur sa petite soeur. Depuis combien de temps tu fasses sa petite soeur? Ça fait 2 ans de cela. Donc tu as 3 ans avec sa graine, tu fasses ça fait 2 ans. Ouais. Et tu te fasses maintenant pourquoi? Attends, elle doit sourire. Ah, mais j'ai fait demain les caméras. Sa petite soeur savait que tu sortais avec elle. Gagne, go slack. Et sa petite soeur savait que tu sortais avec sa grande soeur. Faisais-le en cachette. Elle savait. Ah. Ta petite soeur savait. Donc ma petite soeur savait que tu sortais avec moi. Ouais. Tu es quand même sorti avec elle. Ouais. Jusqu'à ce que tu as mis l'enfant. Parce que je ne pouvais pas te donner l'enfant. Attends, t'as raison, c'est parce que comme elle ne peut pas te donner l'enfant, toi tu peux pas prendre sa petite soeur. Je prends sa petite soeur parce que j'ai kiffé sur sa petite soeur. J'ai trouvé que sa petite soeur est plus mieux qu'elle. Et c'est la vérité. Ah. Ouais. Bon, c'est pas méchant. C'est horrible. Et tu veux check? Tu check avec qui? Amène-moi. Donc parce qu'elle est. Tu me gifles. Tu me gifles. Wonderful. Donc comme elle ne peut pas te donner l'enfant, toi tu prends ailleurs. Ouais, c'est mieux, non? C'est quoi la pression d'avoir l'enfant? C'était quoi la pression concernant l'enfant? Je ne veux pas rester avec une fille pendant 3 ans, mais ne donne pas l'enfant. Mieux de chercher ailleurs. Et j'ai trouvé que sa petite soeur était plus apte avec moi. Tu as les soeurs, non, vous? J'ai les petites soeurs, ouais. Mais c'est normal. Ce n'est pas normal, mais... Le fait, déjà fait. Je voulais l'enfant, mais tu ne pouvais pas me donner, non, bébé. Toi, tu es capable d'occuper d'un enfant. Hein? Tu as l'argent pour entretenir un enfant. Hein? Ou bien tu veux juste te balader ton machin là pour dire que tu veux l'enfant. Tu veux quel enfant? Toi, tu peux t'occuper d'un enfant. De toi-même, tu ne peux pas t'occuper de ton propre corps. Tu parles que tu veux l'enfant. Et tu veux maintenant dévoiler les choses devant les caméras. Ah non, tu as voulu parler, parlons. Tu as voulu parler, non? Pourquoi tu veux maintenant dire nos choses? Ne t'inquiète pas, nos choses comment? Non, pourquoi tu veux maintenant dire nos choses? Couple, nous sommes dans un trio. Nous sommes dans un trio. Tu sors avec ma petite soeur, je parle, tu me dis que je slack, n'est-ce pas? Que je laisse jusqu'à elle enceinte. Hein? Et tu me tapes. Je t'ai tapé. Bon, tu as le cœur, tu n'es même pas le beau fait, tu n'es pas un bon beau debout. Il n'a même pas de remords, rien. Tu es fier. C'est quel cœur ça? C'est quel cœur ça? Cœur du lion, là. Tu as envoyé lion, beau. Bon, tu as envoyé lion. Tu es fâche. Et je vais maintenant dévoiler les choses devant la toile. Pourquoi? Ta mère veut l'enfant. Oui. Non. Tu n'as pas pu donner l'enfant à ma maman. Pourquoi? Ta maman décide de quelle fille tu dois sortir. Je ne peux pas sortir avec une fille pendant 3 ans. Ma mère me demande où est l'enfant. On ne parvient pas à faire l'enfant. Tu vois? Et là, du coup, je n'ai pas le choix. Tu es l'enfant unique à ta mère? Je crois que je suis le troisième garçon. Et pourquoi tu mets la position pour l'enfant? Parce qu'il y a 2 filles devant moi, et les 2 filles ne peuvent pas faire l'enfant maintenant. Alors, vous dites que tu n'arrives même pas à prendre soin de toi, tu veux l'enfant, tu vas prendre soin de l'enfant. Oublions le sujet là. Tu vas entrer maintenant. Pourquoi tu veux dévoiler nos choses devant la toile? Faut parler. Parler pourquoi? Tu es capable de manger seul. Tu peux déjeuner le matin seul, toi. Tu es capable de déjeuner le matin seul, jusqu'à ce que tu dis que tu veux l'enfant. Hein? Bon, tu vis en quoi en famille? Je suis en location. Tu es en location. Demande qui paye sa location. Il faut lui demander. Comment ça qui paye? Il est en location. Demande-lui qui paye, ouais. Bon, qui paye? Donc, tu veux dévoiler nos choses dans la tête. Demande-lui qui paye. Réponds. Qui paye? Et si je ne veux pas répondre? Réponds. Pourquoi je réponds? Tu ne réponds pas. Ouais, qui paye? Arrête la fille ici. Il arrête la fille. Ça fait mal. C'est ta go, qui paye? Réponds. Qui paye? Si je ne réponds pas maintenant. Et si je ne réponds pas? Ne pas loin sur la location. Demande que c'est à qui acheter. Ha! Demande-lui! Même le Bermuda qui a l'office. Jésus-Christ. Demande qui a acheté. Oh, voilà, là, là. Donc tu as dit que tu as tout dépensé sur moi. Je n'ai pas tout dépensé. Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Même le poids que tu as, c'est grâce à moi. Dans 3 ans, quand tu m'as connu il y a 3 ans, tu étais comment? Hein? T'es comme j'étais. Tu te coiffais à 300. À 300, tu te coiffais 300. Ouais. Tu as le courage aujourd'hui de me dire que tu as le cœur du lion. Hein? Tu vas aller vivre en Algérie. Tu comprends? Tu vas aller dans la brousse. Parce que ta location, je ne paye plus.
Attends, c'est toi qui payes sa location. Oh Seigneur. Donc depuis je parle, tu ne comprends pas. Je parle depuis, tu ne comprends pas. Il est une personne incapable. Il n'a rien, comme tu vois comme ça. Il n'a rien. Tout ça c'est de la faute. Il n'était pas de venir avec les fous. Ouais, tu es chien, chien non. Tu es papa non. Hey, c'est mon agent. C'est mon agent. Nadia. Ne m'appelle pas. C'est mon prénom. C'est Nadia. C'est mon agent non. Pas vraiment. Tu vas aller prendre ma petite soeur. Ne me tente pas. C'est vous qui venez avec les foufous. Voilà. Merci. Il faut retirer mon agent. Tu me venais. Oh, il n'a été rien. Bon, comme d'abord. Tu go comment? Je ne peux pas. Ah, tu ne peux pas. Regarde, ce que tu fais là, non? Tu vas le payer. Il n'y a pas de problème. Oh. Tu as bien dévoilé nos choses devant la toile. Ne crie pas sur et moi. Et tu veux quoi comme ça? Ne crie pas sur moi. Hein. Ne crie pas sur moi. Tu as la force de crier, non? Tu as la force de crier, n'est-ce pas? Tu as la force de crier, non? Comment fait l'entendre à la gueule? Même ton téléphone, il faut me donner. Ouais, regarde, c'est mon agent, hein? C'est mon agent. Qui va prendre ma petite soeur? Prends le téléphone. Avec c'est mieux par rapport à moi, non? Pourquoi c'est mon. Pas comme le t-shirt. Toi, tu vas déshabiller au campus comment? Ah, tu veux? Oh, eh, c'est quand même! Comment mon téléphone? C'est toi qui as pris le téléphone là? C'est ton agent. La facture au nom de qui? La facture au nom de qui? Bon, donne même c'est toi, je viens. Il y a rien. Donc, tu as rien sur toi. Oui, comme ça, oui, tout ça, c'est moi. Non, mais c'est. Il n'a rien! Tiens, moi, j'ai un détention pour bac. Oh! Rentrez d'abord. Regarde. Rentrez où? Il est encore à la maison là. Les clés sont là. Regarde. Tu sais où tu vas dormir? En baignant dans le pont. Toi-même, tu vas dormir sur le pont du Vouré. Bye. Y'a ce que bien. C'est mon pardon. Waouh, bon. Tu go as le bec. Baby, s'il te plaît, viens. Regarde, bro, regarde. Bro. Tu es un boy, gars. Tu es un homme. Pourquoi? Pourquoi sa petite soeur, gars? Elle n'a pas pu me donner l'enfant. Elle n'a pas pu te donner. Essaye les gouttes, gars. Elle n'a pas pu donner l'enfant. Et c'est le Dieu. L'enfant vient avec le temps, non? Tu ne loupes pas. Tu n'as même rien, c'est toi qui t'as pas. Oui, tu n'as pas les deux gars, mais toi tu veux le Mouna. C'est la même chose, bro. Je ne peux pas rester avec une fille pendant 3 ans, elle ne peut pas me donner l'enfant. Et là, du coup, je suis. Une fille qui te nourrit, gars. Ça ne change rien. Ma maman demandait l'enfant. Je ne pouvais pas aussi dire que non, je ne peux pas aussi trouver un moyen de lui donner l'enfant. Tu donnes l'enfant à la matinée quand tu n'as même pas les moyens de prendre soin de l'enfant, gars. Même te nourrir, toi, ça te dépasse. Mais je me bats quand même. Pourquoi tu as le cœur là? Tu te bats que tu fais quoi? Ou dis-tu aussi les deux sur ta petite soeur? Non, pas vraiment. Pas vraiment comment? Il devait cry. Oh. Donc, tu chopes aussi les deux sur ta petite soeur? Ouais. Comme la famille un peu les deux, toi tu chopes des deux côtés. Ouais. Tu es un free boy. Comme il dit tantôt, le cœur d'un lion. Ok, j'espère que c'est quand même que toi tu vas retrouver ta go et tu vas comme le way. Non, pas vraiment. Moi, t'ai dit au début que si tu avais des choses à cacher, tu tapais sec, on quittait derrière les problèmes. Donc, tu as voulu jouer les fous. C'est toi qui es venu avec les fous. Je t'ai dit que s'il y avait des trucs à cacher, non, tu me disais. C'est toi qui es venu avec les fous. Il fallait me dire, je suis un homme comme toi, il fallait me dire que où tu vois là, c'est comme ça. Je ne lisais pas dans les messages. Tu as voulu jouer le go, il fallait me dire qu'il y avait un way dedans. Il n'est pas assumé, c'est bon.